visite vitale du dictateur Denis Sassou Nguesso Papa. Alors que le pays plongeait dans une extrême misère, le dictateur Denis Sassou Nguesso s'offre des jours de liberté dans la capitale insalubre de Pointe-Noire. L'objectif de cette visite est de conforter, de corrompre les autorités locales et les notables villes, notamment ceux du royaume Luango. Dans les jours à venir, le régime totalitaire de Sassou Nguesso lancera une campagne de vaccination obligatoire sur l'ensemble du territoire. Il veut à tout prix vacciner les populations du sud Congo et Pointe-Noire est une cible prioritaire. Le dictateur Denis Sassou Nguesso veut absolument recevoir de l'argent frais des institutions financières internationales qui conditionnent leur aide à la vaccination obligatoire contre le coronavirus. Le dictateur Sassou Nguesso ne se soucie pas des conséquences d'une telle initiative alors que le pays n'a connu très faiblement des cas de Covid-19. Nous invitons à toutes les personnes qui écoutent cet audio d'avertir leurs parents de ne surtout pas prendre ce vaccin expérimental, qui d'ailleurs fait l'objet de plusieurs contestations dans les capitales ici en Occident. Le dictateur Denis Sassou Nguesso n'a plus rien à perdre au regard de son âge avancé. Pensez-vous qu'un fou qui n'a pas pu construire le pays en 40 ans pourra le faire en 5 ans de mandat? Une crise de conscience s'impose et la révolte sera inévitable.